Allô tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu vendredi le 20 juillet, puis là je suis au parc avec Pika. Ouais. Mais là on n'a pas de chocolat. À maman. Excusez. Ouais, c'est ça, vendredi chocolat, mais c'est juste quand il y a de l'école. Pour vos, pour tous les efforts que vous avez faits dans votre semaine, hein? Là vous êtes en congé. Ouais. Puis il fait beau, puis il fait chaud, on n'en revient pas l'été qu'on a. À date, on a vraiment une belle été, c'est capoté là. C'est vraiment le fun. Fait que là, il est rendu 10h30. Puis ça, je suis venue balancer les carreaux. Père, Katia, elle est couchée en haut dans notre lit. Pam travaille en heure. Sab à 3, je pense. Fait que là, c'est ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Il faudrait peut-être aller à Québec, donner la main, parce que décès dans la famille. Éloigné quand même, mais tu sais, quand même... Oui? Pour les activités. Hein? Non. Il y en a qui n'ont pas encore réfléchi assez. Ils n'ont pas encore réfléchi assez. Moi, je sais que je vais aller à l'aquarium. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. Ils n'ont pas fait comme les aquariums qu'on allait à l'aquarium manger au cosmos. Ah ouais, c'était drôle. Hein? T'étais tout de suite, c'était drôle. Parce qu'on a déjà été à l'aquarium il y a... Hein? Ouais, il y a 2 ans. Puis Lucas, là, on avait été à l'aquarium, puis après ça, on avait été manger au cosmos. Ouais, puis moi, il y avait des chansons, puis ils dansaient. C'est ça. Il y avait des chansons, puis Lucas se mettait à danser sur le rythme des chansons au cosmos. On a tellement ri, là. Puis il mangeait un hamburger, puis il avait l'air bon sans hamburger. Il mangeait un petit mini hamburger, c'est drôle. Ouais, fait que je sais pas si aujourd'hui, on va finalement aller à Québec, aujourd'hui, pour aller au salon. C'est à 7h30, je crois. Ben, en fait, c'est la cousine à mon chum qui a perdu son mari, mais... Ouais, c'est ça. On va encore aller à la tête d'Ontario. Non, là, ça serait à Québec. Quoi? Fait que c'est ça. Qu'on a bien dormi. On peut pas s'amuser, maman. Hein? Ah, maman. Ah, t'es beau. On peut pas s'amuser. Ah. Je sais plus. Katia, je suis tellement contente, elle a mangé des cannellonis! Et après ça qu'on avait fait cette semaine, là, il en restait, puis elle a mangé ça. C'est un petit plat de bébé, mais quand même, moi je suis contente qu'elle ait mangé ça. Puis là, ben c'est ça. Là, je me prépare, parce que à 2h15, mes beaux-parents, ils viennent nous rejoindre ici. Puis ils vont embarquer une autre dans la van pour aller à Québec. On va monter à Québec. Puis là, on va aller avant au Costco avec eux autres. On va aller manger au score. Après ça, on va donner la main pour savoir si ça va être mis au salon. Fait que ça va être le fun, mais ça va être le fun qu'ils m'ont réunis et tout. Fait que là, je pense que j'en ai la petite trop pleurée aujourd'hui. Puis là, ben je sais, je vais faire ça parce qu'elle reste déjà dans un endroit. Puis il faut que je fasse le sac à couche à Katia. Je vais essayer de rien oublier cette fois-là. Puis, fait que c'est ça. Fait que je vous retiens au courant. Bye! Bon, je me suis préparée. Je me suis remontée les cheveux bien simples. C'est rien d'extraordinaire, mais je vois le bien. Puis, j'ai mis ma petite robe à 6,97. Fait que je vais bien aussi avec ça aujourd'hui. Fait que là, je vais aller... Je vais aller préparer les valises à Katia. Thank you.
revenue de Québec tantôt, vers 9h. Puis ça, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Ouais, ils sont allés chercher des beignes. Quand on est revenu, ben là, on a tout rentré. On a mangé des beignes. Puis là, c'est drôle, tout le monde était en même temps. Sab était déjà ici, mais Pam est arrivée, née. Fait que c'était pas mal le fun. Puis là, je me suis dépêchée de changer 4 couches. Avec sa couche, elle était pleine. Hey. C'est ça qu'on sort avec, c'est pas bien la changer. Fait que là, je me suis dit, on va essayer de la changer en revenant. Mais une chance qu'il était à qu'on arrive, là, parce qu'elle pèsait une tonne, sa couche. Elle avait du pipi. Puis, c'est ça, là. J'ai une bonne nouvelle. Mon chum est réservé une nuit à Watcher. Fait qu'on s'en va 24 dormir, dans le fond, 24-25. Ouais, si on part le 24, on dort, on vient le 25 au soir. Mais là, Nick, il peut pas venir parce qu'il travaille. Il travaille beaucoup la semaine prochaine. Fait que, Nick, c'est ça. Nick pourra pas venir. Mais là, mon chum, il a réussi à trouver une chambre pour 6. Fait qu'on va tout être les 6 dans la même chambre, finalement. Fait qu'on est content. Fait que, je vais peut-être venir pareil un petit matelas pour que Lucas dorme à terre, là. Pour pas, avec 14, c'est difficile de dormir avec, pareil. Fait que, je suis contente. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Mais on couche à Portland. C'est pas sur Oulacha, sur le bord de la mer, là, par exemple. C'est le bord de la plage. Mais, en longtemps qu'on couche, on est content. Je vais pas aller magasiner. Au Target. J'ai tellement hâte. Je suis contente pour aller souper au Texas Roadhouse. C'est un restaurant. C'est à 5 minutes de l'hôtel. Fait qu'on est vraiment content. J'ai hâte de vous dire ça. Là, Nick, c'est le fun parce qu'il est parti au bar. Puis il allait rejoindre une fille. Fait que je sais pas ce que ça. Je suis contente. Tu sais, qu'on trouve plus de filles à m'amener. Là, ça va peut-être déboucher sur une petite. Une blonde, on ne sait pas. Que je leur souhaite à mes enfants, c'est sûr. Hein? Puis demain, Lucas, il va juste un ami demain après-midi. Pam, elle va à Montréal. C'est vrai, elle monte à Montréal avec Van. Elle va visiter 2 chambres. Une qu'elle a déjà visitée, mais elle va retourner voir. C'est le logement que nous on aimait beaucoup. Là. Sauf que là, quand ils ont fait visiter le gars, il s'est trompé. Ils nous ont montré la grande chambre. Et finalement, Pamela, elle a la plus petite chambre. Parce que la grande chambre, elle serait beaucoup plus chère. Fait qu'elle n'aurait pas eu moyen. Mais la petite chambre, elle a l'air pas pire, mais Pamela voulait voir la grandeur vraiment de ses yeux. Parce que c'est vrai qu'elle est beaucoup plus petite. Puis elle veut voir maintenant les rénovations, ce qui était rendu. Fait que demain, elle va visiter ces 2 chambres-là, mais elle va avec Van. Puis elle va rejoindre un autre ami pour souper, son amie Stéphanie. Et bon, quelle qui travaille maintenant à Montréal. Fait que là, ben Van est aussi amie avec, là, dans le fond. Fait qu'ils vont tous souper ensemble. Fait que ça va être une belle journée pour ça. Nous, je sais pas ce qu'on fait. Soit Lucas, il va aller chercher un ami. Je sais pas trop ce qu'on a de prévu, mais on a toujours plein de choses à faire. Fait que je vais conclure mon vlog ici. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous aime fort. On se dit à demain pour une belle journée. Bye!